Bonsoir. Bienvenue, bonsoir, bienvenue, il est 22h30, je suis en retard ce soir, je suis très en retard. On va jouer du coup à Dead Space, bien sûr, évidemment. Hop, on est reparti. On s'était arrêté là, il fallait qu'on aille là-dedans, là, dans l'aile d'imagerie médicale. Pour tous les gens qui voulaient garder leur slip, c'est le moment de partir. Fuyez, pauvre fou. Je vous rappelle que un vaisseau spatial a ramassé un caillou qui transforme les gens en monstres. Le vaisseau est rempli de monstres. Surtout, on ne panique pas ce soir. On est sous le signe de la non-panique. Mais je panique pas, pourquoi je paniquerai? Moi, j'ai déjà commencé à me chier dessus, ça y est. Ça, c'est quelqu'un qui a essayé de jouer à Dealer Simulator. Y'a rien. Ensuite... Est-ce qu'on peut remarquer qu'il n'y a même pas eu un centimètre de flip? J'ai pris de l'âge. Maintenant, je suis mature, en fait. Je suis pas comme vous. Quoi là-dedans? Oh, il y a quelqu'un qui est vivant. Bah, alors, Bibou? Ça va pas fort. Bah, alors, Bibou? Bon, bah écoute, ça va pas fort. En tout cas, c'est une vilaine gastro. C'est rien. Bah ça arrive, hein, vous savez. Étonnamment, tout le monde est parti. Bon, ça doit être une erreur. Je pense qu'il y a Internet qui a dû couper. Hein, il y a quand même moins de marioles dans le chat ce soir. Hein. Comment ça va les marioles? Alors, ça mariolise? Putain, c'est quoi ce temps? On sait jamais, dans le doute. Pensez à y foutre un coup de godasse. Je vais mettre le son encore plus fort, ça vous fera du bien ça. Hein, les marioles? Tu veux te battre avec moi, c'est ça? Oh là, oh là, oh là. Il y a eu un bruit, hein? Il y a un bruit. Oh, 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 oh. Là. Il y avait un mariole là-bas. Hein. Ça y est, la couche commence à être pleine. Désolé. Dans le doute, un petit coup de godasse. Hein. Traitement par zéro gravité. Je suis armé. Attention. Oh putain, les couloirs sombres. Oh, y'a. Ah non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans une zone de vide, le rig affiche la réserve d'oxygène avant qu'elle soit épuisée. Vous pensez qu'ils ont besoin d'oxygène, les ennemis? Parce que là, on est dans le vide. Hein. On est dans le vide spatial. Je suis sûr ils vont me mettre des ennemis même dans le vide. Combien on parie? Ok le chat, on va prendre des paris. Combien on parie qu'ils me mettent des ennemis dans le vide? Utilisez les propulseurs des bottes pour atterrir et décoller en apesanteur. Oh, oh! Ta gueule! Arrête de me faire pour comme... Arrête! Ok, je peux vraiment décoller? Ah ouais! Oh! Oh bah alors là... Oh! Oh là là! Vous avez vu Gravity ou pas? C'est qui lui? Ah, pas fort, hein? Trop bien! Évidemment, il t'accueille par quoi? Une espèce de flaque de trip? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonbonne d'hydrazine. Tiens toujours la position. Bah j'ai trouvé de l'hydrazine. J'y retourne maintenant. Ouais, j'y retourne. J'ai trouvé un objet à trouver, qui fait qu'il va falloir maintenant repartir dans l'autre sens. Oh là là, 100% c'est rempli d'ennemis. Oh putain, regarde ça en face. Regarde ça. Oh putain de merde! Ça saute loin ces trucs! Et là, il y a la zone sans oxygène, hein. C'est quoi ce bordel? Ça secouait tout le vaisseau. Je vais voir. Oh. Entrez dans une zone de vide. Osez me dire qu'il n'y a pas de méchant là-dedans, là. Oh putain, je sens que je vais me faire agresser, là. Je vais me faire agresser, on est d'accord, hein? Je vais me faire agresser. Tu penses que je suis paranoïaque?
Allez, salut. J'ai pas eu peur, hein. À aucun moment j'ai eu peur, hein. Oh, va bien. Alors vous remarquez. Vous remarquez que je garde souvent derrière moi. Oh putain, voilà, exactement pour ça. C'est parce qu'ils adorent mettre des ennemis derrière toi. Genre vraiment, c'est lent. Passion quoi. J'ai les cheveux qui ont un peu dressé sur la tête. Les poils aussi. Puis enfin un peu tout quoi. Enfin sauf bon bref. Je vais pas m'étendre sur ce sujet. Salle d'examen. Ne pas entrer pendant l'examen. Tu m'étonnes. Quand tu vois la chiasse qu'il y a par terre là. Je sais pas quels examens ils font mais. Peut-être commencer à étudier la médecine hein. Monsieur Golo, on va tester vos réflexes. Tendez la jambe. Journal audio. Journal de patient retrouvé. Une expérience débile ne peut qu'impacter l'esprit de quelqu'un. Mais je n'ai rien vu de divin dans. Ah oui, il y a une histoire de secte. Il y a toute une histoire de secte. Enfin, un truc rassurant en tout cas, n'hésitez pas. Ah, ça c'était une salle safe. Enfin, malgré le sang qu'il y a par terre, c'était safe. Bombe d'hydrazine. Ah. Allez, faites gaffe, hein. Pensez à changer vos slips. Installer la charge explosive. Je vais me mettre là. Je me suis caché derrière la vitre. Tout va bien. C'est bon. Se mettre à l'abri avant l'explosion. Je l'avais fait tout seul. Je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis un grand garçon maintenant. Je l'ai fait tout seul. Ouais. Je vous rappelle le concept de salle safe hein, dans ce jeu. Clinique. Ah, et bah dis donc, lui il est pas à la clinique pour rien. Va chercher le corps du capitaine Matthews une fois dans la morgue. Récupérer ses codes rig et on aura accès à l'ordinateur. D'accord, il faut que je récupère un corps dans la morgue. En tout cas, un mardi comme un autre et une activité tout à fait ordinaire. Oh, putain, mais ils font jamais le ménage, c'est crasseux là. Là tout le personnel. Ici l'officier médical en chef Nicole Brennan. Le pôle médical est envahi. Nicole, venez ma femme, c'est ma femme. Je vous jure, c'est ma femme. C'est quelqu'un qui a joué à Dealer Simulator, ça. Encore. Ça fait. Enfoiré. Enfoiré. Oh non. Enfoiré que tu es. Ah c'est non hein. Ah mais moi je vais pas couper lumière hein. Pas couper lumière. Ils ont cru ils m'ont pris pour qui? Ils ont cru que j'allais faire le jeu dans le noir. 2 seconds later. Les douches. Ah les douches. Journal médical. Nicole. Ah elle a récupéré un morceau de corps. Bah écoute tout le monde fait ça Nicole je pense. Ne te remets pas en question. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Enfoiré. 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 Oh non, enfoiré. Oh putain, enfoiré. Non, je suis pas d'accord. Ah non, je suis plutôt pas d'accord avec ce qui se passe. Allez, on panique pas! Oh putain, oh non, si, oh bon, je pense qu'on peut paniquer un petit peu quand même! Oh putain! Ah, c'est un module de stase, c'est vrai que je peux staser, j'ai oublié! Infirmière, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup-là! Infirmière, il semblerait que ce soit trop tard! Est-ce que ça va pour vous? Ça va nickel, hein? Ouais. Ça va nickel, ouais, effectivement. On n'a plus rien à vider, donc oui. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on est l'esprit léger, hein. Il n'y a pas que l'esprit qui devient léger, hein. Bon, c'est la salle des urgences. Alors, vu l'état de la salle des urgences, j'ai envie de dire, c'est plus la salle des urgences. Au pire, c'est la salle, quoi. Enfin, si c'était la salle des urgences, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot, hein. Disons que c'est une pièce. Une pièce accueillante au demeurant. Pas tant que ça non plus. Hop! Là, ça va, c'est un cafard. Tout va bien. C'est la morgue, c'est normal, hein. Il y a des cafards, hein. Et la première chose qui passe devant moi, se prend un ventilateur dans le nez. Eh oui, c'est grand en tout cas les urgences, hein. Ça, je vous dis. Je vais aller voir là-bas quand même, hein. Il y a un truc qui brille. Il y a des trucs achetés sur les ennemis. Il y a des lances, des piques. Thank you.
quelle panique. Oh bah. Madame. Voilà, 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 voilà. Je sais ce que je fais, ça va, je suis grande. Voilà, madame. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Bah. Regardez pas, c'est violent. Vous savez, on a inventé les pastilles pour la toux, hein. On a inventé l'isopaïne. Elle avait sûrement ses raisons, hein. On juge pas, hein. Les urgences sont fermées. J'espère qu'il y a un médecin de garde. Aïe, 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 aïe. Comment ça, brèche détectée? Foiré. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Tu vas pas m'avoir comme ça, tu vas pas me baiser comme ça, hein. Voilà, et oh. Ah! Saloperie, ça fait même pas peur en plus. Ah! Un ascenseur! Ah bah, écoutez, à chaque fois qu'on a pris un ascenseur, ça s'est bien passé. What could go wrong? Bref, allez, c'est pas le sujet. Morgue! Oh, chouette! Oh bah je pense qu'on n'aura pas de problème à la morgue! Je pense que la morgue est un endroit tout à fait safe, une safe zone. Pourquoi on aurait peur en allant visiter une morgue d'un jeu d'horreur? Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois une morgue être un endroit flippant? Putain, connard, va. Ah, trouvez le corps du capitaine! Bonjour, mon capitaine! Ah non, j'ai vraiment fait tout ce chemin pour dépouiller un cadavre. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh l'odeur. Oh la laine. Il est gros lui. Il y a un truc dehors. Il y a des trucs dehors. Il y a des trucs qui courent. Attends, mais non, non, ah non, il va tous les ressusciter. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il fabrique d'autres monstres. Oh non, ça va être chiant. Évidemment, tu crois ça dans une morgue. Oh, bah encore un ascenseur. Pas de problème. Ah, je vois pas pourquoi un ascenseur serait... Eh bah voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur affirme que les moteurs de l'Ishimura sont HS. Putain, je dois atteindre la zone d'ingénierie. Merde, il y avait une porte ouverte d'un. Station de tram est hors ligne. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà passé par là. Et encore moins de lumière maintenant. Je rentre au hangar. Hangar. Pôle médical. Hangar. Hop. Allez, on va au hangar. Dans la joie et dans la bonne humeur. Ah, ces espèces de spores dégueulasses là. Je suis pas intéressé par votre acte. Par contre, ça c'est pas bien. Hein. Ça sent le boss. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent un peu le boss. Hein. Et moi, le boss, je veux pas. Ah, bonjour monsieur. Moi, je fais une pause là. Diagnostic hors ligne. Je vous vois dans la salle de contrôle. Des nouvelles des moteurs? Oui. Non. Mais ça n'a aucun sens. Sans les moteurs, il va nous entraîner vers la planète. Vous pouvez y arriver tout seul? Non, bah, ouais. Bof, hein. Je me tiens prêt. Faites vite, Isaac. Oui, bah, faites vite. Comme si je faisais pas vite depuis maintenant. Pourquoi il y a des... Pourquoi? Oh, je pose plus de questions. Pour qui a laissé ses tripes dans l'évier? C'est dégueulasse. Oh, putain, c'est bien ça. Le découpeur. Oh, on va pouvoir découper. Un établi. Ah! Putain de merde! C'est pas mal ta nouvelle coupe! J'ai pas crié déjà, apparemment. J'aimerais juste qu'on soit tous clairs avec ce qui vient. Il n'y a pas eu de cri, hein. Ah! Ah, oh ma femme, Nicole, ça fait longtemps. Bah c'était en tout cas, c'est plus maintenant. Ils ont plus que 3 orteils, c'est marrant ça. Et puis, bah il y a un gros trou dans le bide, demain... Ah, la bouche grande ouverte. Ils amènent un découpeur.
C'est le top, vous savez. Ah, le découpeur Silver Crest, tiens, pas mieux. 49,80€. Putain, ta mère. C'est de la merde, c'est de la pure merde. C'est de la pure daube. J'ai rarement vu un truc aussi à chier que ça. Bon, je vais pas me laisser faire, hein. Je vais le rendre au magasin, hein. J'ai gardé le ticket. Je suis armé d'une bonbonne. Attention, j'ai un but à gaz dans la main. Fire. Vous avez vu le sang-froid de l'homme ? Bon, allez, on n'a pas peur. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des monstres. Qu'est-ce que... Oh putain, non ! Non, c'est un oiseau ! Arrête de ranimer les copains ! Putain ! Arrête ! Et hop, oh, mais arrête ! La saloperie, ça ! Elle apprend, hein, celle-là, hein. Allez, on court, c'est pas comme si... Je cours pas parce que j'ai peur, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça va faire peur, je te jure, ça va faire peur. Non, ça vibre. Non. Non, j'ai dit non. Ah, ah. Ah. Je sors mon découpeur, hein. J'ai sorti le découpeur. Ah, c'est ça qu'il voulait. C'est sous contrôle. C'est bon. Après, plus jamais je le lance. Je te jure, plus jamais je le lance. Ah. Je vais me donner les droits administrateur. Je peux peut-être aider. Et elle me dit ça maintenant. Tu sais, après avoir croisé 75 portes fermées, elle me dit maintenant qu'elle peut me donner le droit de les ouvrir. Oui, bravo Daniels. Oh non, ta mère. Je coupe pas la lumière. Je te jure, je coupe pas la lumière. J'ai trop peur. J'ai. Non. Ah, les enfoirés. Soit tu le fais sans oxygène, soit tu le fais sans lumière. Vous préférez quoi? Eh oui, sans lumière, bien sûr. Bon, ouais, bah vous êtes autant des enfoirés que... Oh putain. Fais sombre dehors, hein. Enfoiré, 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 y'a des bruits, enfoiré, enfoiré, enfoiré que tu es. J'ai un découpeur, je te jure, je me tiens. Putain, enfoiré. Ça sert à rien le découpeur, ça sert à rien. C'est un engin de con, hein. Non. Y'a des bruits, je suis armé. Faut pas croire, hein, je parais vulnérable comme ça, mais... Je suis armé. Oh putain. Vous l'avez entendu, hein. Oh non, mais je veux l'attendre là. Je m'en fous, je vais l'attendre là. Vas-y, viens. Viens, viens, viens. C'est un jeu de patience, hein. C'est un jeu de patience, hein. J'ai une scie circulaire Silver Crest. Sur batterie. Je serai vous. Je commencerai à faire attention. Allez, ouvre, 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 ouvre. Bon. Bon, si ça vous dérange pas, le découpeur, il repart, hop, dans l'inventaire. Et on dit qu'on s'en sert plus jamais. Voilà, on va sauvegarder. Et puis on dit qu'on arrête, hein. Dans le doute, on va rallumer les lumières. Pour vérifier si elles marchent. Ah, les lumières marchent. Voilà, j'ai eu peur que ce soit en panne. Bref, merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Gros bisous. Ciao, ciao.